là à préparer tout près stade là caoutchouc a boulé et une pompe gasoline tout près côté Michel a boulé caoutchouc. Donc ça c'est un gros danger de pompe gasoline deux pompes. Hein? Deux pompes. Oui, il y a deux pompes dans l'intersection côté caoutchouc a boulé. Alors on a demandé à ce que pour gagner des dispositions qui prend dans quatre dossiers ça parce que caoutchouc du feu qu'a metté tout près pompe gasoline mes amis. C'est comme si son bombe à retardement, à n'importe quel moment de la durée, quand il y a une grosse explosion, en pile moun ka mouri. Donc la police nationale prend disposition pour gérer la question. Moun a revendiqué, revendication est juste. Parce que, nèg sous côté, a acheté gaz là sous côté, nèg qui dans pompe, a vendre gaz là sous côté, yon même yon oublié vendre gaz là à 1000 gouttes. Mes amis, situation explosive dans le moment où on a parlé là. Pays a capable de déboucher à n'importe quel moment on a parlé là, son gros bagaille. Des bandits à examen, on a commencé l'émission avec chalet ça, parce que pays a c'est un chalet lié là. À n'importe quel moment de la durée, gede neg, y a pris machine gaz là dans le mayo. Et qui est apparu pour sortir machine là, à tout le monde qui vous prend dans le mayo. Ça sont informations que m'a ban nous. En pile neg qui vexé du fait que ça va être là. Nèg kap conduit camion matin bra le souvayoun qui déclaré jodi a la yo pa accepté bandi prend machine camion nan meyo camion gaz nan meyo c'est grâce à camion gaz là qui permet yo éduquer petit yo monsieur mon fait kokon yo déclaré matin savana yo pa pral décharger yo pa pral décharger camion gaz yo on livrer gaz ça veut dire que pays a fermé et l'école supposée ouverte. Bon, nous sommes dans l'école même. Nous sommes dans l'école même. Ça veut dire que si disposition pas prend, on a parlé là, eh bien, c'est l'obéi qui va passer dans le pays. Bonjour, Josué Lexidor. Bonjour, Mme Tavou. Eh ben, bonjour, Josué. Salut, Savana. Bonjour, Esaü. Bonjour, Pierre Martin. Nous salue Louko Désir, côté lié. Nous salue toute équipe là, Montina. Et Orlando, vraiment toute équipe technique Radio Télé Éclair qui ont même travaillé pour permettre que l'émission Matin Débat l'arrivée sous mon yo, dans la télé, dans la radio, et bien son plaisir pour nous là. Et j'en ai signalé les a eu là où il n'y a pas marqué. Et alors là il y a marqué problème, là il y a marqué danger. Parce que il y a un caoutchouc qui est à bouler dans quelques rues, nous passons matin là sous Delma notamment. Il y a une poubelle qui est en poubelle fatra qui est bloquée et descendre. Là, on sort sous Delma, on sort Pétionville pour descendre. Voilà, l'autre bon côté pour descendre, il est bloqué. Et nous passons dans zone Delma 33, nous avons vraiment gagné. Et on tire de panique parce que la rue est quasiment blanche. L'une est quasiment blanche parce que pas gagné machine, pas gagné trop machine. Qui a brûlé. Pas gagné trop moto, puis faut machine de la caillou. Puis faut moto camper. Et bon constat que nous faisons dans différents. Tout pompe qui a essayé baïti gaz yo noue blocus la melongue ligne machine ligne moto ligne galon ligne moun vraiment qui bloqué circulation dans tête cadavre versé même gens Delma 60 les essayé font tir versé même gens sous Delma là donc c'est un problème lié pays là pas sous bon bois ouais c'est motocyclette qui fait barrage ouais. Ouais. Machine pas pour machine pas passer. Ça veut dire motocyclette avec chauffeur. Avec ça veut dire que c'est un signe vraiment que yo pas capable encore c'est la motocyclette là pour vivre. Ouais, ça veut dire que c'est au jour le jour la vivre avec motocyclette là alors que voilà, la grappiller alors que il pas gagné gaz pour fonctionner. Maintenant, question que nous capable poser et rentrer inexplicable et inexpliqué ça. À quoi est-ce que cela est dû? Qui est-ce qui est doué pour des explications? C'est ça qui passe dans le pays, oui. Ou est pas gonraté, mais aucune explication pas pour toi. Ou pas jamais pour qui ça? Bon, je dis à la non capable. Nous avons supposé que Ignace Fleur. Monsieur Ignace Fleur, le directeur général du BMPAD. Ok? Ouais. Et c'est lui-même, nous avons supposé gagner. Bon, alors, vous permettez que le directeur général du BMPAD. Il y a Bill. Mais ça peut faire. N'a pas qu'il y ait contact. Alors, nous supposons parler là avec DG BMPAD là. Oui. D'accord, là, confirme. Alors, bonjour, DG.
Voilà, donc nous gagnons en direct depuis directeur général BM Padla, M. Ignace Saint-Fleur, et lui-même qui pourra l'expliquer nous exactement ce qui a passé là, situation ça. Côté, nous connaissons BM Padla, c'est lui-même qui est chargé pour capable réguler le secteur pétrolier. Et M. Ignace Saint-Fleur, où ce matin débat, bonjour. Bonjour matin débat, bonjour Haïti, bonjour aux auditeurs et auditrices de matin débat, bonjour Loukou au désir. Bonjour, début de matin à toutes. Bonjour, César. Bonjour, Monsieur Lexidor. Bonjour, Madame Savana. Mais dis-nous, non, DG, n'a pas constaté un raté de carburant là sur le marché. Là, est-ce que il y a espoir que pour problème ça capable finir dans le jour qui finit là? Non, pas un problème de pénurie, de raté de produits. C'est une question de rationnement produit à travers les pompes que APP et Association des professionnels du pétrole qui chargé de importation produit hein, que disons yoté fait à travers les pompes. Maintenant aujourd'hui hein, depuis week-end aujourd'hui samedi, il y a environ 258 000 barils de produits pétroliers qui sont disponibles sur le territoire là. Maintenant il y a pas sur distribution hein, et dans le moment que m'a parlé avec vous, il y a un couloir de sécurité que l'État central établit à travers Martissan pour arriver bisoton côté canot de passer pour permettre que acheminer de produits effectivement approvisionner pompio. Même couloir allié effectif à partir de pour produits qui sortent au niveau de Vareux qui pour aller dans le sud et pour produits qui sortent au niveau de Martissan, pardon, au niveau de Torland qui pour aller vers le nord. Pas de problème dans ça et que produits à disponible bien que à la vérité c'est APP qui est pour venir faire communication ça, parce que c'est eux-mêmes qui bénéficiaient depuis environ 6 mois et question de importation produits pétroliers, libéralisation marché. BM Padla même dit qu'il y a un rôle de contrôler la qualité produit hein, et assurer que le produit est disponible à tant qu'il y a un volume sur tout le territoire national suite à effectivement de demande que BM de secteur fait pour solliciter de BMP autorisation de gaz. Comment dire? Directeur... Maintenant, je dis également tout problème ça relié au fait que l'État, dans des conditions actuelles, il a perdu environ 75 millions de dollars américains sous produits pétroliers qui liés à la subvention. Mon lieu était commandé en retard parce que au 31 mars 2019, l'État n'a qu'à subvention à payer à secteur pétrolier environ 6,5 milliards de gourdes. Le 4 nous, nous était peine d'être là complètement. Là, nous arrivons à l'horizon du 31 juillet dernier et disons subvention et droits et taxes que nous renonçons à l'IAN montant, vient remonter à 6,8 milliards de gourdes. Ce n'est que jeudi, mercredi de la semaine dernière que l'État a été à travers le trésor public bail, compagnon, environ 2 milliards de gouttes qui permettent qu'on fait, et disons, commande qu'il a aujourd'hui à disponible depuis le week-end. Mais m'a dit également que peut-être que l'État a enregistré au niveau de produits, hein, de l'ordre de 75 millions de dollars, environ 192 gouttes par gallon de gasoline, 158 gouttes par gallon de diesel et 160 gouttes par gallon de kérosène. Maintenant, l'un de ces moyens, nous pouvons être produits 511 gouttes 77 divisé par 3 produits, et l'État a perdu en moyenne par gallon pour les 3 produits, 170 gouttes 59. L'on multiplie par nombre de barils, qui c'est 1 million de barils, et chaque baril y a 42 gallons, d'abord 170 gouttes 59 multiplié par 42 millions de gallons, qui nous environ 7 milliards 164 millions 780 000 gouttes que l'État perdu dans le produit pétrolier en termes de renonciation de droits et taxes et subventions. L'on divise par le taux du jour, ça va nous environ 95 418 736 dollars 84 que l'État perdu par mois. Mais qui ça l'État a supposé faire là? Puisque c'est une situation nous hérité, certes, mais nous hérité, nous tout comprenons. Matin de Bamab dit au mieux, dans la région, prix à la pompe dans la région, mais comment lier? Haïti, 2,48 $ pour gasoline. Trinidad et Tobago, côté de la raffinerie, il y a pétrole là même, 3,22 $. Oui, Panama, 3,29 $. La Dominique, 3,31 $. Cuba, 4,29 $.
Costa Rica, les $4.47 et République Dominicaine, les $4.72. Ça, c'est pour gasoline. Pour diesel, là, en Haïti, prix à la pompe, c'est $1.98. Pour Panama, les $2.87. Pour la Dominique, les $2.86. Cuba, $3.50. Les $3.68 et $3.64, respectivement, à Costa Rica et en République Dominicaine. Et pour nous dire que du train que ça va, pas grand monde qui prend responsabilité à bras pour permettre que, pour dire la vérité, parler langage des vérités à peuple là, gouvernement tel que ça est là, je vous dis, avec près de $75 million, l'UPAP en mesure pour continuer ses payrolls pour différentes institutions de l'État, différentes monde qui engagent avec l'État. Il n'y a pas de mesure les fonctionnaires, les contractuels de l'administration centrale de l'État, parce que l'IGN et payroll, ça a dit de l'ordre de 4 milliards de gouttes, alors que l'État a fait des pertes de l'ordre de 7 milliards de gouttes dans le cadre de subventions petit pétrolier. Même l'État, ça, qui a subventionné gaz là autour de $75 million par mois, il a prêté dans le FMI. $229 million, qui c'est l'équivalent de 3 mois de perte que l'État fait sur Dieu. Maintenant, c'est des situations que pour nous adresser. Vous l'aimez ça? Heureusement, nos amis, nos partenaires de l'APP, de l'Association des professionnels du pétrole, ils ont mis pour Bagaïsa, ils croient que Bagaïsa, c'est une saute dans la subvention. Heureusement, des citoyens, l'opinion publique étant prêt pour une saute dans la situation, mais c'est comment faire? Le comment faire, c'est pour nous faire graduellement, progressivement, et que faut commencer quelque part, par les corporates particulièrement. Parce que moi-même qui prends avion avec Louko Désir, avec Martin Tatou, avec Madame Savannah, et avec Monsieur César, pour nous montons avion pour notre partie, chaque gallon gaz, je mettais dans l'avion, ça, le jet là, l'État perdu, mettait 160. 60 ou 50 cob pour dans avion, dans galon gaz avion. C'est-à-dire que c'est des bagages pour que l'État pas en mesure pour l'adresser et pour le remplir de fonctions que l'il gagne, pour le capable d'adresser certains problèmes qui viennent dans le pays, faire route, bail courant, faire l'autre salle de classe, créer une situation pour faire centre de santé et évidemment, payer l'administration centrale de l'État. Monsieur le directeur. Monsieur Ignace. Monsieur Martin. Gon bagay, mwen ta remen ke ou klè la dan. Nous rappelons 6-7 juillet ça qui t'est passé, c'est parce que gaz là, c'est nan men gouvernement. Tout le monde connaît, c'est nan men gouvernement. Et tout Dieu t'est fixé sous gouvernement. Maintenant, vous souhaitez parler de 6 mois. Est-ce que c'est 6 mois responsabilité au Panama gouvernement encore? Et si au Panama gouvernement, quel que soit haïtien, dans le point de pays, dans la motocyclette qui est dans la section communale là, l'État est clair. Ça qui a passé aujourd'hui, est-ce que c'est le gouvernement responsable ou bien c'est le secteur où parlez depuis 6 mois, gaz là dans la qui est-ce qui a responsabilité? En tout cas, l'État en général s'est concédé à secteur privé des secteur privé pétrolier, les responsables de l'APP et disons, ils ont bénéficié de certaines délais libéralisation des importations produites. Mais à la vérité, faut que nous reconnaissions à travers subventions, hein, trésorerie secteur ça a testé parce que nous gagnons de dettes que l'État gagne envers une carte subvention, hein, qui ne pas permettre que nous réunissions suffisamment de l'argent pour commander encore. C'est dans subvention hein, pour nous sortir, pour nous clair dans ça, pour que les gens qui disent ça moi-même, moi, je m'encourage à deux bras, moi, je dis ça, pour nous chercher comment pour nous sortir graduellement. Mais progressivement, non, graduellement et progressivement dans la subvention. Et seul, ça peut permettre que nous arriver, ça peut permettre que l'État permette
que l'État remplit mission que le gagne pour en termes de créer des situations, de pour changer situation population dans le pays. Parce que fait que l'État a enregistré dans la question de subvention, il y a 75 millions de dollars américains. Ils ont l'État, nous connaissons la situation du pays aujourd'hui, qui oblige à payer 75 millions de dollars américains pour bailler la subvention des questions gaz. L'État n'a pas gagné de ressources disponibles dans le même encore pour le faire un lien. Et si on a fini, parce que même l'État, ça a parlé de aujourd'hui, hein, au 31 mars 2019, l'État était une subvention en dette, il y a une subvention déjà, qui était 6,5 milliards de gouttes. Eh bien, au 31 du 1er avril 2019, au 31 juillet 2019, eh bien, dette la reconstituée encore de l'ordre de 6,8 milliards de gouttes. Problème, ce n'est pas ni l'État, ce n'est pas ni le secteur pétrolier à la vérité qui est responsable de la radio importation de produits. Je dis à problème, non, pour nous saisir le taux par les cornes, c'est question de subvention pour nous sortir la donne parce que qui sa subvention en fait, qui est ta situation dans la région, c'est que dans la région, c'est seul Haïti, côté dans le pays ça, gaz la vente, oui. Qui bat. Ça dit tellement vrai, ça dit tellement vrai, la République dominicaine, là moi-même, Santo Domingo, ils ont traversé, viennent acheter gaz noir là. Ah, vous comprenez que... Non, mais en enquête moins. Parce que si vous voulez Haïti à vendre même gaz ça, 2,48 $, ouais. Et la vendre 4,72 $ à la Dominicaine. Claire. Dominique a intérêt à acheter la revendre dans le pays. Donc c'est ça. Monsieur le directeur. Et si on t'appelle, c'est l'État qui en partie, c'est l'État qui appelle. Ok, ça. Monsieur le directeur, ou alors ça te parler là, que l'État pas responsable, ça qui a passé là, ou dit tout. Si là-haut qui est responsable gaz, il n'y a pas responsable. Est-ce qu'il y a une carte de ces populations qui est responsable? Alors, excusez, non, si là... Alors, c'est un lapsus. C'est un lapsus. Je me comprends. Si c'est un lapsus. Parce que vous dites l'État n'est pas responsable et que si là-haut qui est responsable de gaz, il n'est pas responsable. Qui est-ce qui est responsable? Explication. Parce que c'est au même, depuis l'idéalisation importation audio, pour même qui vient produire à la main. Ok. Mais cependant, on n'a pas qu'à arrêter à regarder la situation à dégénérer, ça lui va intervenir. Nous-mêmes, en notre qualité d'anodilateur, qui est chargé seulement pour assurer notre produit à disponible et assurer notre qualité de produit également qui a de cap débité à travers les pompes, nous faisons travail. Nous demandons à PP pour le rendre produit à disponible. Ce que nous constatons depuis le week-end, qu'il y a environ 258 000 et barils de produits, de les trois produits, à savoir gaz, diesel et kérosène qui est disponible à travers les terminaux, les deux terminaux, le terminal de Torland et le terminal de Vareux. Ok. Excusez, Silayo, que représente sigle que on peut répéter à chaque fois, qui c'est l'autre partie, hein? Vous capable de dire pour nous clairement, s'il vous plaît. Non, que représente, qui ça sigle ça représente APP, hein? Allô? Oui, oui. APP veut dire quoi? APP? Que non, APP. APP, c'est l'Association des professionnels du pétrole. Du pétrole. Association des professionnels du pétrole. Donc, ça, c'est... Le secteur pétrolier. Ça, c'est Silayo. Je que Gaza n'a pas aujourd'hui. Voilà. Mais pas nommé l'État. Gaza n'a pas nommé l'État. L'État, là, seulement à travers BMPAD pour réguler le secteur. Oui, c'est pas ça? Tout simplement. Tout simplement. Ok. Ok. Alors, est-ce que nous avons une hausse de prix produit là dans le jour qui vient? Bon, je pense que tel n'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense qu'au niveau de l'APP, ils ont souhaité ça déjà. L'opinion d'État travaille sur ça parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à ce gaz à 4 $. Que 72 € dominicaine pour la vendre 2,48 $ en Haïti, pour la vendre 4,47 $ au niveau de Costa Rica et 4,29 $ à Cuba, pour la vendre 4,48 $ en Haïti. Maintenant, nous, ouais, que au niveau de Chiffio, Chiffio parle de eux-mêmes, le net déficit de l'ordre de 75 millions de dollars américains que l'État obligé de faire. Après, c'est comme ça pour le métier dans 4 droits et taxes non perçues. Et disons, et subvention, n'a pas besoin de vous quitter à l'État, par mesure, pour le capable de jouer via et faire un série de bagailles en faveur de la population. Okay. Merci, 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 DG. Le directeur. N'a pas appelé où c'est directeur général BMPAD, Bureau de monétisation. Programme d'aide. Programme d'aide au développement. Monsieur, merci, Mathieu Débat.
Merci à toute l'équipe à Bistap Matin Débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur. Alors, directeur Arélé, c'est Ignace Saint-Fleur. Bien-aimé. Ouais, bien aimé là-dedans. Bien-aimé. Non, mais signature assez bien-aimé. Alors, et non, c'est Saint-Fleur. Alors, monsieur, moi, je n'ai pas parlé de Saint-Fleur. Où qu'on est Fleur, semaine ça, Fleur. Fleur, et secteur abeille, Fleur, plus problème, oui, là. En tout cas. Alors, Bilo. Ouais.